J'ai épousé une vierge. Pour un titre, ça fait quand même bizarre, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est le titre d'un livre paru aux éditions Média Paul, tenez-le bien, en 1984. Ça fait déjà un sacré bail. L'auteur de ce récit n'est autre que Ndoki Kitekutu. Là encore, ça va faire sourire certains. Oui, Ndoki Kitekutu, c'est un artiste, peintre, poète, compositeur, chanteur, né à Kingana, commune de Kimvula, dans la province du Congo central, en 1949. Déjà maître du pinceau, il a caressé avec ravissement le rêve de maîtriser la plume, domptant ainsi les instruments très efficaces de la communication qui, pour lui, est fondamental dans la transmission d'un message. Qu'a-t-il écrit d'autre? Il a écrit des livres, tels que « Je n'ai pas tué » ou encore « L'empoisonneur », des titres à chaque fois atypiques. Dans ce livre, son premier message littéraire, autant le dire comme ça, Ndoki traite du thème apparemment banal mais extrêmement profond de l'amour, à travers des questionnements d'une brûlante actualité, inscrit aujourd'hui dans un contexte pollué et peu engageant pour les jeunes, l'auteur édifie et impose l'image sereine d'un jeune homme qui, à force de volonté, de conviction et de caractère, échappe au raz-de-marée de l'opinion. C'est dans les méandres des doutes qu'accentue l'intervention d'une certaine autorité traditionnelle et la vue de parures extérieures au milieu de la nuit, le héros de cette aventure quotidienne putréfie à petits coups la vision de l'amour. Certes, trop habitué au contre-coup d'une vie conjugale mal préparée, le cheminement prudent du jeune homme apparaît utopique et offre des allures d'une idylle tissée à la manière d'un trop beau conte. Mais l'effort consenti par l'auteur pour adopter un temps quotidien, évoquer les événements banals et d'une vraisemblance photographique, donne à l'ouvrage un souffle vivant, un véritable code d'amour dont les générations présentes et futures ont bien besoin. Un extrait. Mai 1979. Le temps est beau, vraiment superbe. Une invite à la promenade, à l'aventure. À Yolo Sud, un des quartiers de l'immense Kinshasa, les gens attendent fiévreusement leur hache pour mettre la clé sous la porte, les jeunes filles surtout. Elles harcèlent les couturiers afin de retirer leur mabaya, ces corsages dont raffolent les aïroises. Et c'est toujours ainsi tous les samedis, dans l'après-midi. Guindou, lui, revient du travail. Il est 13h sur sa montre. Comme d'habitude, il pénètre dans la parcelle en sifflotant un air connu de lui seul. Question de se donner une mine de nonchalance, mais en réalité, il est rongé de mille soucis. Dans le petit atelier construit juste à mi-distance, entre la porte d'entrée et le bloc d'habitation, ses yeux découvrent des figures qui lui sont totalement inconnues. Ce sont des clientes de Zeti, toutes des jeunes filles qui attendent en boudant leur mabaya. Je vais m'arrêter par là et pour terminer, je vais vous recommander la lecture de ce livre. Vous ne vous ennuierez pas. Lisez, lisez encore et lisez toujours, car la lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.